invite you to take a bus if you don't have one. We have time, madame, we have time. We have 11 hours. Bon, allez-y, hein. Vous pouvez le prendre, monsieur, du coup. Dès la fin de la semaine dernière, des mesures drastiques ont été mises en place et vont désormais s'imposer aux voyageurs venus du Brésil, du Chili, de l'Argentine et de l'Afrique du Sud. Et je vous annonce que nous avons décidé ce matin, en Conseil de défense, d'ajouter l'Inde à la liste de ces pays, selon des modalités qui seront annoncées très prochainement. Mais bien évidemment, la systématisation des contrôles, notamment via des tests antigéniques à l'arrivée, se met en place dès à présent. Et pour le reste, le protocole précis et les règles précises seront annoncées prochainement. D'autres pays pourraient compléter cette liste si cela s'avérait nécessaire. Et évidemment, nous poursuivons notre vigilance permanente. Le 3 mai, il est prévu que les restrictions de déplacement et donc effectivement l'attestation, l'interdiction des déplacements interrégionaux soient levées et qu'à la mi-mai, certaines terrasses, certains lieux de culture rouvrent. Et évidemment, les lieux qui ont été fermés, qui sont pour un certain nombre d'entre eux fermés depuis maintenant un grand nombre de mois, rouvriront progressivement ensuite d'ici à l'été. Je vais rien sentir. Attention, je pique. Alors, tu lui fais mal ? Ok. Toutes les personnes de 55 ans et plus sont désormais éligibles à la vaccination grâce aux vaccins AstraZeneca et Johnson & Johnson, dont les injections débuteront pour ce dernier vaccin dans les tout prochains jours. Nous avons mis en place dès le week-end dernier des créneaux dédiés pour les personnels éducatifs et pour les forces de l'ordre. Ils ont un accès privilégié, prioritaire au vaccin. Et cet accès prioritaire va être étendu dès ce week-end à environ 400 000 travailleurs âgés de plus de 55 ans. Désolé, mais je ne peux pas le laisser ouvert trop longtemps, quoi. Voilà. Merci. Hop.